Bruno Marchal, équitation légère, éthologique, Montpellier, Pascal et par téléphone, comme vous êtes loin. Aujourd'hui, je vous donne l'intégralité pratiquement euh, de la séance avec, euh, avec Gigi, euh, joli jument de, qui appartient à Naomi, qui a la fâcheuse tendance pardon, de se précipiter à l'obstacle. Donc si vous voulez bénéficier vous aussi d'un coaching, vous avez... En commentaire dessous le lien pour vous l'offrir et même pour vous offrir une séance de neurohypnose un fichier de neurohypnose voilà nous arrivons à la dernière partie de de, de de la leçon qui a duré une heure en tout donc là on va travailler sur une grande carrière euh, j'ai mis euh, deux obstacles voilà hop et voyez que on, euh, on saute un obstacle on s'arrête, on fait demi-tour, on reprend le même obstacle. Là, pour l'instant, si vous avez vu les autres vidéos, vous savez que Naomi avait tendance à s'accrocher à la bouche du cheval pour la freiner. Et c'est normal puisque c'était une jument qui avait tendance à embarquer. Et donc je lui demande d'apprendre la flexion. Alors, vous voyez que ce n'est pas glorieux, que la jument est encore tête en l'air sur les épaules, mais je suis persuadé qu'en 3, 4, 5 séances, rapidement, pendant ses vacances de Noël 2018, euh, Naomi va réussir à faire travailler sa jument tête en bas, détendre son dos euh, et euh, lâcher ses rênes. Donc voilà, euh, on peut comprendre que Naomi ait du mal à lâcher encore ses rênes, puisque euh, Gigi lui a fait quelques coups pendables et euh, la raison de se méfier. Mais vous voyez qu'elle saute et elle met les, les rênes longues euh, après avoir arrêté euh, sa jument sur une seule reine. Voilà, c'est le principe d'une équitation légère. On lâche la main extérieure et on freine le cheval avec la reine intérieure. Et vous voyez que le cheval se détend immédiatement et euh, se place également euh, de façon euh, rapide et euh, presque miraculeuse, comme selon les, le message de personnes qui euh, ont l'habitude de travailler des chevaux qui, qui galèrent pendant des mois pour arriver à faire baisser la tête du cheval. Et là, regardez, hop, on saute et on. Voilà, la petit peu peur de la caméra c'est possible et donc on saute hop on se remet de l'autre côté et on ressorte tranquillement et on relâche alors pour euh, pour l'instant la, la carrière est un peu petite Naomi apprend aussi à replacer ses mains de façon différente c'est pas évident quand on a fait des années de placer ses mains d'une façon là on ne fait pas du CSO on ne fait pas de l'équitation classique on réédit que la jument à ne pas à euh, ne pas euh, chargé donc euh, on fait une rééducation du cheval par, par la même occasion on a mis à prendre des choses mais en aucun cas on ne fait un cours de cso ce n'est pas un bon métier encore une fois il y a des moniteurs que j'adore et qui sont euh, très performants, et qui viennent d'ailleurs se former pour, pour, pour certains, pour beaucoup, j'allais dire, euh, à ces nouvelles euh, méthodes de fonctionnement euh, du cheval et qui viennent enrichir euh, leur panoplie de moniteurs classiques ou de CSO ou de Western, etc. Euh, tout est complémentaire et toutes les équitations ont une grande valeur. En tout cas, c'est mon point de vue et je le partage avec moi-même. Voilà, ce que je voudrais arriver à faire là, c'est expliquer à Naomi. De lâcher encore un peu ses rênes et de faire baisser la tête à Gigi. Donc, vous voyez que là, face à cet obstacle, il y a la fin de la carrière, il y a du fil, donc elle est obligée de freiner. Mais regardez, hop, là, elle n'a pas, pour la première fois, accéléré après. Euh, le saut, donc, vous voyez que pour l'instant ces, ces virages sont, sont très, très, très abrupts hein. euh, d'abord parce que Naomi n'a pas encore tout à fait la, la maîtrise même si elle a beaucoup beaucoup progressé et que c'est une super cavalière et puis surtout euh, Gigi est encore très raide voilà, elle, elle apprend à baisser la tête elle apprend à, à engager, euh, engager derrière et donc c'est un, une jument qui va avoir, euh, euh, qui va, qui va avoir avec sa avec Naomi, avec sa propriétaire, une très 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 belle histoire. Ça va continuer, ça va être de mieux en mieux. Donc cet exercice qui est fait euh, pour travailler euh, le saut, eh bien, Naomi va devoir devra le faire sur le plat aussi. Hein, euh, on, on fait les mêmes principes, on travaille peut-être un peu en liberté. Ensuite, on travaille sur une zone restreinte et on agrandit de plus en plus la zone. <laughs> Et quand chaque fois que euh, la jument est calme, on agrandit la zone, calme égale agrandissement de la zone, mais tant que la jument est excitée sur une petite zone, on ne la grandit pas. Euh, le principe c'est d'avoir des chevaux qui sont calmes, des cavaliers qui sont calmes. Euh, c'est comme dans le sport de haut niveau euh, pour les humains. Je ne serai euh, champion du monde que si j'arrive à atteindre cette sérénité. Voilà alors merci à Naomi, merci à Gigi. Euh, je, je... Ces vidéos sont aussi faites pour Naomi pour qu'elle continue à se voir travailler et à progresser. Euh, si vous avez besoin d'un coaching, eh bien, vous avez là en euh, commentaire le lien et puis mettez-moi un pouce en l'air pour valoriser, pour faire plaisir à Naomi et à Gigi. Euh, posez vos questions en commentaire, j'y répondrai bien volontiers. Abonnez-vous à cette chaîne, bien évidemment. Partagez ces vidéos. Euh, le, le but est que ça puisse vous donner des idées pour continuer à travailler avec vos chevaux. C'était Bruno Marchal et je vous dis à très bientôt.